Allô tout le monde, je vais vous montrer la deuxième partie du comment faire du SVG avec la nouvelle fonction de Cricut Design Space. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur mon groupe Cricut Création et Design de Facebook et la même chose sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir que si vous vous abonnez, moi ça m'encourage à continuer. Fait que on va se transférer sur la page Design Space sur la plateforme. Et voilà, on s'en va à télécharger. On va aller chercher une image. Et il faut être dans le format bêta. Fait qu'on va aller chercher une image. Elle est ici. Je vais aller chercher une petite souris, comme j'ai dit à l'autre vidéo. C'est seulement pour la démonstration. J'ai supprimé ces images-là après. OK. On va continuer. En bas à droite. Et je vais aller nettoyer un peu l'image. Je vais faire supprimer l'arrière-plan. Et je vais aller avoir les aperçus. Ça a l'air super bien. Les belles lignes sont super belles. Fait que là, on va aller à continuer, appliquer et continuer. On va prendre le multicalque ici à gauche. Et on va continuer. Là, ici, on a juste deux couleurs. On a l'intérieur de la souris et l'extérieur qui est le noir, le contour. On va aller chercher d'autres couleurs. On peut aller à photo qui va donner toutes les couleurs de la souris. Okay. Il y a des petits défauts ici qu'on pourrait enlever, d'autres on pourrait rajouter. On va les laisser à Keeper. Et on va aller faire les différences qu'il y a entre les plusieurs calques qu'il y a. Fait que là, on est à 2, on va aller à 3. On commence à avoir un petit peu de couleur. Ici, le rose est moins prononcé qu'avant. On va aller à les 4. On commence à avoir encore un petit peu de couleur, mais pas beaucoup. À 5. Là, le rose va être plus intense. Et voilà, il y a son petit oreille rose. Le 6. Ensuite, le 7. Couleur. Là, ici, le bedaine était moins pâle qu'avant. Donc, on va aller à 8. Puis ça, on peut changer nos couleurs, hein, si on veut. Fait que là, on va aller à 9. En haut, ici, là, OK, l'aperçu, ça, c'est toute l'image au complet. Ensuite, on peut avoir les images détaillées ici. Que quand que je vais aller voir celle qui donne les fonds de couleur, un rose. Ici, on pourrait arranger et enlever les petits picots qu'il y a ici. Pas que la machine découpe et aller chercher trop de détails. Ensuite, les autres couleurs qui sont associées. Celle-là, ici, on pourrait l'éliminer si on veut aussi. Que ça, c'est toutes des couleurs qu'on peut arriver et enlever. OK? Le contour est quand même bien. Si maintenant je prends celui-là ici, ça serait super beau aussi. Puis celui-là ici. On peut laisser tout ça comme ça aussi, si on veut. Je reviens à l'image principale. Et je vais aller mettre juste 5 couleurs pour voir qu'est-ce que ça pourrait me donner. Je vais aller à avancer. Et ça, on a lissé, épuré et simplifié. Dans le lissé, nos lignes vont être plus lisses. Il y aura moins de petites coches ou de certains détails qui vont être qui vont être plus lissés. Comme ça, ici, là, il y a où est-ce qu'il y a la moustache? Je vais juste monter un peu. OK. On va aller voir. Puis ensuite, le rose, il va être moins dépassé. Fait qu'on va mettre notre lissage à haute. Jamais ici. Continuer. Là, on a plus de couleurs ici. Fait qu'on va l'enlever. Excusez. Où on met aucun. On va aller voir épurer qu'est-ce que ça peut donner. OK. Les roses ont dépassé complètement l'image. Fait que ça fait beaucoup trop. Fait qu'on va aller à bas pour voir qu'est-ce que ça donne ici. Ça, c'est super bien. Il y aura encore ici les petites moustaches où on peut corriger. On peut toujours le corriger à la fin aussi. On va les mettre aucun et simplifier. On va aller à haute. Ça ne nous donne pas un très beau résultat. On va aller à bas. Dans ce temps-là, on ne met aucun nom aussi. Fait que je laisse
l'image comme suit. Je fais aller à continuer. Là, je mets juste à mon démo, mais je l'enlève plus tard. Télécharger. Je prends ma souris et je vais aller dans les calques ici en haut à droite. Okay? Je vais aller mettre mon jet ici. Je vais aller prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Okay? Je vais commencer par le rose. Okay? Le rose, là, on voit que le bouton contour à droite est allumé. On peut enlever certains petits détails. On va aller en bas à droite et on peut enlever les petits les petites parties qu'on n'a vraiment pas besoin. On laisse comme suit. Le jaune aussi. Là, on va aller en bas complètement. Je vais enlever tous les petits là, détails vraiment qu'on n'aura pas besoin. Encore une fois, ça sent bien. Je garde les yeux parce que les yeux sont blancs. Fait que on va les garder. Excusez-moi. Fait que on laisse ça comme suit. Ici, je vais aller voir en contour s'il y a des petits détails à enlever. Je crois que non. On va laisser comme ça. Ensuite, ici, ça c'est le brun ou le noir. On peut le convertir. On peut mettre un noir puis un brun. Mais si mettons que je m'en vais ici, je prends ces deux-là. Je fais aligner centré. Il rentre un dans l'autre. Fait que, excusez. Voyons, j'ai une misère avec ma voix. Fait que ici, je pourrais lui l'enlever si on veut. Fait que je vais faire supprimer. Là, je retombe juste à quatre couches. Fait que si je prends les quatre, je fais aligner centré. Ça nous donne une belle petite souris de toutes les couleurs. Ensuite, on peut aller à un moment donné à faire autre chose aussi. On va aller faire ici, on va aller à côté de Jerry, on va aller mettre, c'était la couleur, le contour noir. Je vais le mettre noir dans pas là. Ensuite, celle-ci, je vais juste tasser, celle-ci, c'était, il faut cliquer deux fois hein, pour mettre qu'est-ce qu'on veut mettre comme titre. Ah, je viens de voir qu'ici, là, j'ai oublié un petit détail. Fait que là, je vais aller à contour en bas et je vais aller enlever ce petit détail-là. Il était juste ici. Fait que, et voilà, il est enlevé. Ici, je vais marquer jaune-or. OK. Ensuite, la couleur, ça c'est le contour, on l'avait écrit tantôt. Le jaune, on va dire que c'est jaune, les tons de jaune. OK. Et le rose. Là, ça nous donne une meilleure idée pour en écrivant ici. Fait que ça, ici, on peut aller le mettre. Là, il est brun, mais je vais aller le mettre noir. Ça donne aussi en même temps une certaine. On dit que c'est noir, mais ça va donner une certaine luminosité à l'image. Fait que je prends toutes les quatre pièces. Je vais faire aligner, centrer. Et voilà, on voit une différence entre le brun et le noir. Mais je vais aller cliquer en haut à droite, OK? Là, on a le noir, je vais vous montrer la différence. Tantôt, on était dans le brun, c'est plus pâle. Fait que quand on le met noir, je retourne ici dans les calques à droite et je viens à opération et je vais aller le mettre noir. On voit que c'est encore une meilleure image, là, c'est l'image était plus belle comme ça. Fait que ensuite, je vais aller on peut aller continuer. Et quand on va aller continuer, j'ai pas besoin d'enregistrer le projet. Je ne vais pas l'enregistrer. Je vais le supprimer. Fait qu'on a nos images. Ça nous prend quatre tapis. Là, ici. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça en 12-12. On va le mettre en 12-12. Parfait. Ça aussi, on le met en 12-12. Puis celle-là aussi en 12-12. OK. Et voilà. Fait que là, ça va nous prendre. C'est vrai que là, il est plus grand que nature, là, mais si mettons que je veux juste aller le mettre en 12-12 ici. Bon, fait que nos quatre tapis sont en 12-12.
Il mesure 9 par 9, la souris. Fait que vous allez pouvoir découper puis enlever les parties que vous n'avez pas besoin. Fait que c'est comme ça se fait. Fait que si vous voulez d'autres conseils, je viens avec vous. OK. Si vous voulez d'autres conseils, accompagné de ma petite pitoune, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne, sur mon groupe Facebook, Cricut Création et Design. Je vais mettre toutes les petites informations que vous avez besoin dans le bas de la vidéo. Il y a un petit plus, des fois, c'est tous les détails sont là de notre vidéo quand ils sont, que si vous voulez avoir des informations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!